Bonjour à tous. Là, on va se faire un petit tour de magie avec des cartes. D'un côté, des petites cartes et de l'autre côté, des cartes de jumbo. En fait, en réalité, c'est un tour qui existe déjà que j'ai adapté en fait à une autre petite version. Voilà. À la base, il se fait avec un Père Noël qui se déshabille, puis après, bon, qui se rhabille. Mais bon. Alors, donc, là, un spectateur est avec moi. On montre les cartes. Toutes les cartes sont différentes. On peut donner un petit coup de mélange aux cartes comme ceci. Et là, ce qui est important, mais vraiment, on demande à un spectateur de choisir n'importe quelle carte là, entre les mains, ici. Par exemple, il choisit cette carte-là. Bien. Là, tout le jeu, on ne s'en sert plus. Donc, cette carte-là, le magicien ne la connaît pas. Elle a été choisie librement. Tout ce que le magicien peut dire au spectateur, que d'abord, la valeur des cartes peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. On n'en sait rien. D'abord, en tout cas, tout ce que le magicien sait pour le moment, c'est que sa carte est parmi ses valeurs, la valeur de la carte est parmi ces cartes-là. Et d'un autre côté, sa carte, la famille de la carte peut être une carte cœur, une carte trèfle, une carte pique, une carte carreau. Tout ce que le magicien sait, c'est un point d'interrogation. Il ne sait pas sa carte, il ne connaît pas la carte du spectateur. Bien. Cette carte interrogative, on va la mettre ici, bien en vue. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, on va d'abord montrer les cartes, les dos, 1, 2, 3, 4, 5 dos. Bien. Ces dos-là, alors cette carte-là, on va la mettre ici. Et là, d'un autre côté, le magicien, d'abord, montre un foulard des deux côtés, comme ceci. Un foulard, hop. Et ce foulard-là, dans ce foulard-là, il met les cartes, hop. Qu'elle tombe pas sous le foulard comme ceci, de façon à ce qu'on puisse voir les foulards, les cartes là, et surtout qu'on voit les cartes ici. Alors, ce qui est important ici, c'est que en fait, cette carte-là, c'est une carte interrogative. Et là, c'est la carte du spectateur. Regardez ce qui se passe. Là, on demande au spectateur de dévoiler la carte. Et là, on tombe sur un roi de carreau. Ce qui est incroyable, la carte qui était un point d'interrogation interrogative se transforme en roi de carreau, comme la carte choisie, je rappelle, librement par le spectateur. D'accord? Comme la carte choisie librement par le spectateur. Et là, bien entendu, et paf, là, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et voilà, c'était un petit tour adapté avec une petite carte et une grande carte. Et je vous dis à bientôt pour un autre tour. Bye bye.